L'histoire de Palom. C'est pas l'homme qui prend la mer, MDR, c'est la mer qui prend l'homme. Bah écoutez, l'histoire de Palom. Alors. Achara, est-ce que tu peux changer le titre et mettre l'histoire de Palom? Les techniques, bon, je vais parler du vieux monsieur, je suis mort. Alors, le mage noir Palom a juré de marcher sur les pas du regretté Tella et de devenir un sage. C'est pas gagné. L'ancien l'envoie à Troya pour qu'il enseigne la magie noire à Leonora, une prêtresse novice. Pourquoi un royaume pacifique a-t-il besoin d'une magie si puissante? Le drame qui touche le monde s'apprête à frapper Troya. Eh bien, allons-y avec l'histoire de Palom qui était insupportable dans FF4, mais rigolo. Là, peut-être qu'il sera. Juste rigolo. Ça, pas mal. On sait déjà qu'il va être sur un chocobo noir. Mais on retrouve le capitaine, tiens. Les poissons veulent pas mordre, capitaine. Chut! Arrête de pleurnicher, il va t'entendre. Bah, il faut mettre une canne à pêche, en fait. Bon, capitaine, combien de temps encore on va devoir supporter ce gamin? De quel gamin parle-t-il? Alors, il ressemble à quoi, du coup? Ah, il a bien changé. Il avait une coupe au bol avant. Je vous prie d'excuser l'insolence de mon équipage, Sire Palom. Sire, auriez-vous oublié combien de dizaines d'années vous avez de plus que moi? Dans ce cas, comment souhaiteriez-vous que je vous appelle? Vous trouverez bien tout seul. Vous êtes un adulte, non? Oui. Alors arrêtez de faire des courbettes, d'accord? Vous êtes trop vieux pour ça. Comment osez-vous parler comme ça, capitaine? Je te fais tomber des météores sur la gueule. Du poisson. Hein? Vous avez attrapé du poisson? Non, pas encore, nous... Avez-vous vraiment essayé? Est-ce si difficile? Bah sans canne à pêche, je vous avoue. Je comprends pas pourquoi nous restons bredouilles dans des eaux d'habitude si poissonneuses. Est-ce que vous avez pas de canne à pêche? C'est bon, oubliez ça. Trouvez-moi quelque chose de frais, d'accord? Nous avons un long voyage devant nous. Ah, je savais que je n'aurais pas dû accepter ce travail. Le voyage du mage. L'histoire de Palom. C'est pas là, non. Salle des prières. Vous m'avez demandé, l'ancien? Où est Palom? Pardonnez-moi, ancien, je vais le chercher sur le champ. Je suis là. Palom, où étais-tu passé? Dois-je te rendre compte en permanence de mes faits et gestes? Ah, sois un peu plus en froid qu'avant en tout cas. Que vouliez-vous donc, ancien? Un certain pays étranger m'a adressé une requête. Une requête? Encore un pays qui essaie de se débarrasser de ses problèmes en nous demandant de les régler? Palom, je vais te laisser t'occuper de ça pour homme. Au fait, ancien, avez-vous pris une décision? À propos de cette formation de sage dont tu m'as parlé? C'est ça. Tu n'es pas encore prêt, Palom. Pas prêt? Combien de temps dois-je encore attendre avant que vous me pensiez prêt? Palom! C'est dur que ça. D'accord. Bon, et cette requête que nous avons reçue? Le pays en question souhaite que nous envoyions un mage former leur prêtresse. Je suis heureuse d'accepter cette mission, ancien. Mais, merci, mais j'ai décidé d'envoyer Palom cette fois. Quoi? N'est-ce pas normalement le travail de Porom que de former les prêtresses novices anciens?
Cette fois, c'est ton tour, Palom. Mais à quoi vais-je donc servir? Je ne connais rien à la magie blanche. La valeur de ton service dépendra uniquement de toi, Palom. C'est peut-être parce qu'il cherche de la magie noire. Il fait déjà nuit. Et cette lune qui se rapproche de jour en jour. C'est inquiétant, hein. Le cul. On le revoit. Ancien, pourquoi avez-vous envoyé Palom plutôt que moi? Vous m'aimez pas, c'est ça? Il y a des choses que lui seul est à même de mener à bien. Par ailleurs... Cof, cof. Ancien. Je vais bien. Bah non, en fait. Il y a vraiment une tête bizarre. Oui. C'est parce qu'il est vieux. Je t'ai dit, les vieux, ils ont des têtes bizarres. Bonjour, vous avez bien dormi? J'ai faim. Non. Nous sommes arrivés? Non, je suis désolé. Pourquoi ne faites-vous pas un tour sur le pont? Je ne doute pas que vous en ayez assez, mais... Peut-être parce qu'il n'y a rien à faire sur un pont de bateau. Troya est une terre splendide, aux eaux claires et aux forêts luxuriantes. J'ai vu une étoile filante dans le ciel du nord et j'ai eu un mauvais pressentiment. Il semblerait qu'une grande cité soit récemment tombée sous les attaques de monstres. Pas de bol. Vous n'imaginez pas comme je suis excité de vous voir. Vous, le célèbre mage noir en personne. Bah, je m'en bats les couilles, frère. Capitaine. Capitaine, capitaine. Oui? Vous n'êtes pas le capitaine. Ne m'aviez-vous pas assuré que le voyage ne prendrait pas plus d'une semaine? Oui. Et pouvez-vous me rappeler quand est-ce que nous avons quitté Mycidia? Il y a environ un mois, je crois. Pour ce qui est de la boussole cassée, je ne peux rien vous reprocher. Je suis désolé. Mais vous êtes censé être des marins, non? On peut dire ça. Alors n'est-ce pas votre travail de faire quelque chose? Enfin, tout de même. Je suis désolé, Sir Palom. Attendez, droit devant, regardez! Vous ne mourrez pas comme ça, capitaine. Terre en vue! Nous y sommes, le cap de Troya. Reste qu'entre une semaine et un mois, il y a quand même une belle diff. Plage de Troya. Je suis désolé que cela nous ait pris si longtemps, messire. D'ici jusqu'à Troya, la route est-elle encore longue? Si vous traversez le pont à l'ouest et remontez vers le nord, vous trouverez une forêt avec des chocobos. Vous pourrez ensuite traverser le fleuve avec un chocobo et rejoindre Troya. On n'a rien de temps. Ça me va. Ouest, nord, chocobo. Soyez prudents, messieurs. C'est tout? Je suis vraiment désolé pour le retard. Inutile de vous répondre ainsi en excuses. Quel âge avez-vous déjà? Désolé. Bon, à la prochaine. Adieu, messire. Il tremblait, le mec en haut à droite. Alors du coup... Gauche.
Ouais, pas gauche, du coup. Magie noire. Feu. Je sens que ça va être compliqué, par contre, la magie. J'espère que ça va pas faire comme Rydia. Ah, pont. Ensuite, nord. Forêt de chocobo. Bon, pour l'instant, ça va. J'espère que la personne qui va m'accompagner sera plus douée aussi que Jacqueline. Jacqueline la naine. Y a pas de chocobo noir. Ah, j'aurais dû utiliser le chocobo qui régène la mana. C'est ici? Excusez-moi. Troya. Parfait. Bonjour. Bienvenue à Troya, la cité des forêts et des sources. Ok. Ah bah tiens. Bonjour. Elle doit être très puissante vu son armure légère. C'est toujours comme ça dans les jeux vidéo. Alors. Soyons malins l'espace d'un instant. Pas l'argent. Efficace contre les démons. Donc ça c'est ce que j'ai. De toute façon j'ai pas d'argent. On se souvient hein, dans... C'était Final Fantasy 3 je crois. Où j'utilisais les armes comme des consommables dans les combats. Ça je lançais des sorts sans consommer de mana. Pardon. Nous sommes en paix, oui, profitons-en pour nous préparer aux heures sombres qui viendront tôt ou tard. Ah non, pas longtemps, a priori. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette auberge? Une dame. Qu'est-ce qu'il y a dans ce magasin de consommables? Il y a des potions. Et j'ai plus d'argent. Mais les potions c'est toujours bien, surtout quand on n'a pas de heal. La nourriture et l'eau sont super ici. Mange autant que tu veux, d'accord? Bonjour. Carte de membre. Bah non. Ils ont baissé les prix. Hein. Pardonnez-moi, mais nous ne sommes pas encore prêts. Pouvez-vous revenir plus tard? Tu vois les filles ici, tu les vois, on ne peut pas demander mieux que ça. Désolé ami, personne ne prend mon tabouret ici. Faut se battre pour avoir sa place au comptoir. T'es tout seul au comptoir. Je viens tout le temps à cette taverne depuis qu'elle est ouverte. Entourée par toutes ces jolies femmes. Ah ah ah, la vie est belle. La barmaid est vraiment mignonne, non? Oh, pas mal, tu es libre. Tu veux me tenir compagnie aujourd'hui, mon beau? Oh, me regarde pas comme ça, toi. Yes. C'est pas ma cam, hein, désolé, madame. Tu as de l'argent pour être ici, l'ami? C'est pas gratuit, ça, non? Oh, je te l'offre que... Je t'offre ce que tu veux, ma belle. Ce serait sympa si quelqu'un pouvait m'acheter un nouveau sac à main. Ah là là. Je dois descendre ce vin. Et alors j'étais là et bam, le coup décisif. Ce pauvre gobelin n'a rien compris. Ce vieux schnock me raconte la même histoire depuis des années, j'en ai assez. C'est vrai qu'il y racontait déjà cette histoire-là dans... Final Fantasy 4. Oh bonjour étranger, merci d'être venu. Mais de rien madame. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Les prêtresses novices avancent dans leur formation, à ce qu'il semble. Parapam.
Grâce à la richesse du sol et à nos réserves en eau douce, nous pouvons cultiver toutes sortes de choses. En outre, nous pouvons aussi cultiver des légumes pour nos chocobos. Allez! Il ira droit comme tous les vieux, exactement. Les chocobos sont si mignons, ils sentent un peu mauvais par contre. Saviez-vous que les chocobos sauvages peuvent voler, c'est vrai? Yes. Ouais, pardon. Du coup, les prêtresses doivent être au château. Le château. Donc on va aller voir ça. Au passage, je peux même sauvegarder parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de sauvegarde avec ce personnage dans ce chapitre. Et nous y voilà. Le château de Troya. Pardon ? Non, je ne suis pas une vieille femme sénile. Figurez-vous que je suis chancelier de Troya, grossier personnage. Comment vous pensez que nous étions des danseuses? Nous sommes les gardiennes des prêtresses. Ah. Ouais, c'est vrai, il y a genre 7 prêtresses, un truc du genre. Merci d'être venu à Troya, le voyage a dû être long. C'est peu dire. C'est peu de le dire. Si nous avons demandé à l'ancien de Mycidia de vous faire venir ici, c'est pour former des prêtresses, c'est ça? Alors avec qui dois-je travailler? Je croyais que Troya avait 8 prêtresses. L'une de nous est malheureusement tombée malade. Les prêtresses de Troya ne peuvent vraiment remplir leur rôle que si toutes les 8 servent comme une seule. Ah, il vous faut donc une nouvelle prêtresse le plus vite possible. Exactement. Je vois que vous avez l'esprit vif. N'en attendez pas moins de vous, jeune mage de Mycidia. Alors de qui s'agit-il? Entrez, Léonora. D'accord. Il est moche son chapeau. Hein. En effet, on dirait qu'elle a vraiment besoin d'une formation. Pas gentil. Quoi, je vous ai offensé? Non. Léonore est arrivée à Troya il y a environ 8 ans. Elle s'est tout de suite portée candidate pour devenir prêtresse et s'est distinguée depuis par ses qualités. En reconnaissance de ses talents, nous avons décidé de la nommer au poste vacant. D'accord, d'accord, ça ira pour les présentations. Si elle a autant de talents, pourquoi a-t-elle besoin d'une formation pour commencer? Si elle ne peut pas devenir prêtresse sans que quelqu'un lui bourre le crâne, où est son talent? Eh bien, je... Et puis, n'est-ce pas votre travail de former cette fille? Quel manque de respect! Les prêtresses ont beaucoup de travail à gérer au quotidien. À plus forte raison depuis que l'une d'entre elles est tombée malade. Elles ne sont plus que 7 pour servir leur nation. Ça va, j'ai compris, pas la peine d'en faire tout un plat. Mais pensez-vous vraiment que je convienne à l'emploi? Le travail d'une prêtresse est de servir son cristal, c'est bien ça? Dans ce cas, ne faudrait-il pas la former à la magie blanche? Vous vous trompez de personne si vous croyez que j'y connais quoi que ce soit en magie blanche. Quoi? Il aurait vraiment dû envoyer Porom pour s'occuper de ça. Ce n'est pas grave. Pardon? Magie blanche ou magie noire, peu importe. Ce dont j'ai besoin, c'est de former mon esprit. Je suis certaine que l'ancienne Mycidia avait une idée derrière la tête en vous envoyant ici. On dirait bien. Quoi qu'il en soit, Palom, nous vous prions de bien vouloir accompagner Léonora à la tour des épreuves. La tour des épreuves? C'est une tour qui se trouve au sud. Si Léonora atteint son sommet, nous pourrons l'ordonner prêtresse. Vous pouvez compter sur moi.
Je suis impatient de m'entraîner avec vous, Sir Palom. Bah yes. Ah ouais, niveau 3. Ah ouais. Ah ouais. Bah, au bout d'un moment aussi, je peux pas faire de miracle non plus. Hein. Bon bah go hein, mais... Direction West Coast, Sud Coast, South Coast. Allez. Bon, on va sauvegarder parce qu'il y avait quand même pas mal de dialogue. Azalardi. Ah mais j'ai plus de chocobo moi. Faut que je retrouve un chocobo. Il me semble c'est en haut à gauche de cette forêt. Là. Et c'est ici aussi qu'il y a le chocobo noir, non? Hop, magie à fond. Pas de chocobo noir. Oh bah on va prendre un jaune hein. Classique. Mais du coup ça veut dire pas de combat aussi. Ah elle est là. Alors par contre, on va pas être con. On va XP un peu, hein, parce que bon. Pas que j'ai pas confiance. Mais niveau 3 avec 110 points de vie. Hein. En vrai, je fatigue de ouf. Je pense que je vais faire l'équivalent d'une VOD. Après, je vais arrêter le stream. Pour cause d'inaptitude. C'est con parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Pour l'histoire de Palom. Mais bon, si je m'endors tout en streamant, c'est pas ouf. On sait ce que tu vas faire. À cette heure-ci, mais t'es fou toi. Je veux bien que tu rigoles sur des. Avec ton délire de Tindate là, mais. Y a pas d'heure. Bah si, un minimum. À 22h30. Ouais, un vendredi en plus. Trop fatigué pour ça. Voilà, moi je. Juste demain, je dois me lever. Et se lever avant midi, même avant 11h, même avant 10h. Le week-end, c'est chaud. Je suis pas habitué, hein. Je suis pas habitué. Du coup, je vais pas la faire trop tard. Alors là, en fait, l'objectif, ça serait de ne pas perdre un seul point de vie.
Comme ça, j'ai juste à aller dans la forêt de Chocobo et je pourrais me soigner mes MP, mes points de magie. Tu dois faire quoi? Il y a ma mère qui vient sur l'île. Donc voilà. Je sais même pas en plus pourquoi elle vient sur l'île, genre. Du coup, quand elle m'a dit, rendez-vous tel endroit samedi à 10h, machin et tout, j'étais en mode. Oh. Non. Mais bon. Du coup, au final, Léonora, je sais toujours pas ce qu'elle fait, hein, comme. Parce qu'elle fait de la magie, mais qu'est-ce qu'elle a comme sort et tout ça? Aucune idée. Bah, elle a acuité, du coup. Au minimum. Ce qui est bien parce que c'est un sort nul qui sert à rien. Mais je l'ai. Regardez-moi ça. Finalement, c'est pas l'homme qui va faire la tour d'épreuve, hein. C'est pas Léonora. On améliore la coopération. La coopération, mais de service public, hein, parce que. Il y en a un qui travaille, l'autre qui regarde. Hein. Regardez-moi ça. Hop, 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 voilà. Léonora n'a toujours pas chargé une barre entière de d'ATE. Non, c'est pas l'ATE, c'est. ATB. Action Time Bar, je crois. ATE, c'est l'Active Time Event de Final Fantasy IX. Je veux juste qu'elle gagne encore un niveau. Avant de passer à la suite. Allez. Et papa pida papida pida pidou. Voilà. Et niveau 6, on a quand même doublé son level hein, en 5 minutes. Les drameaux, ça boum par ici ou quoi? Oui. Ok, boomer. Comme disent les jeunes. Alors, c'est parti pour la tour de l'épreuve. Accrochez votre ceinture, ça va décoller. Et on attrape le pompon, on attrape le pompon. Go Fortnite, ils disent les jeunes. Ah, ça veut dire qu'Ashara est jeune? C'est la tour des épreuves. Y'a quoi au sommet au fait? Le Somonacal. Tu vas le chercher, tu reviens et on te nomme prêtresse, c'est ça? Oui. Ouais, Chara. Oh, grand cristal de la terre, toi qui apportes fertilité et prospérité à notre pays. Pour les eaux pures et les forêts luxuriantes que tu nous donnes, je t'offre nos remerciements et nos prières. On parlait de quoi? Parce que Dramo il a dit les jeunes ils disent Go Fortnite. Du coup j'ai dit quoi? Du coup Ashara est jeune. Eh bien je vois que tu sais réciter tes prières au moins. Et où?
Là, en gros, j'avais un stream qui était éteint, enfin, il était sur pause, quoi. La personne a hébergé quelqu'un, du coup, ça a lancé le live de l'autre personne. Oui, vous êtes prêt à y aller, Serpalom? Faut d'abord clarifier quelque chose. C'est quoi tes sorts? Oui. Je vais bien arrêter avec ce Serpalom. Mais. Nous avons à peu près le même âge, non? En fait, j'ai 2 ans de plus que vous. Oh, vraiment? Tant mieux pour toi, mais n'espère pas que je te donne du Madame Leonora, on est d'accord. On est parfaitement d'accord, Sire Palom. Comme je le disais, oublie le sire. Oui, Palom. C'est beaucoup mieux. Y a des bûches. Eh bien, nous y voilà. Oui. Prête à commencer ta formation? Tout à fait. Dites-moi ce que je dois faire. Commençons par la base. Feu. Tu sais ce qu'est le sort feu? C'est une attaque de feu. Pas déconnant jusque-là. Ah oui, c'est ça. Bon, voilà pour feu. Attendez, quoi, c'est tout? Allons, Léonora, j'ai cru comprendre que tu avais du talent. Faire de la magie, ça consiste avant tout à produire une image du pouvoir que tu vas utiliser. C'est une des raisons pour lesquelles on écrit les sorts, entre autres. Libère ton esprit et crée une image de feu pur. Ensuite, fais-la sortir. Oh, c'est fantastique! À ton tour maintenant. Voilà ce sur quoi tu vas t'entraîner. Vas-y. D'accord. Feu, feu, feu! Des flammes rouges brûlant ardemment. Le puissant feu du fourneau. Une nouvelle expérience sociale post-blow lundi. Ah. Feu, point d'interrogation. Bah yes. Tu ne pourrais même pas brûler un bout de papier avec ça. Oui, je ferai de mon mieux. Ah, ok, je pensais que c'était. Je pensais, Dramo, que t'étais occupé de dire que t'allais repartir. Comme la dernière fois, ton expérience sociale, et je pensais que c'était lundi, du coup. Bien, ça suffit. Pas trop mal. Bon, voyons comment tu t'en sors au combat. Au combat? Ça ne sert à rien de t'entraîner si tu ne peux pas utiliser ce que tu apprends en situation réelle. Peux-tu te maintenir concentré et produire une image lorsqu'un monstre te regarde? Voilà la clé. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Pas fou. Me maintenir concentré, me maintenir concentré. T'as déjà perdu ta concentration, n'est-ce pas? Non, non, je peux y arriver. Papapam. Ah, un enfant, brûlons-le. Un gardien, hein? Tiens, essaie de t'occuper de celui-ci tout seul. Toute seule. Toute seule? Moi, le jeu que j'adore le plus, c'est Overwatch 2. Bah écoute, chacun ses goûts. Hein. Ça a l'air trop lourd. En termes de fichiers, on parle. Hein. Oui, toute seule. Allez, vas-y.
Parce qu'il m'a pris, j'ai cheat sur un jeu mobile. J'ai peur d'avoir eu un virus. Déjà, cheater sur un jeu mobile. Est-ce qu'on en parle? Yeah! J'ai réussi! Y a pas de quoi se réjouir. Enfin voilà la base, à partir de ça, tu vas pouvoir développer une magie de plus haut niveau. Magie de plus haut niveau? Météore, tu connais? Feu 2 puis feu 3. Plus le sort est puissant, plus tu dois concentrer ton énergie. Je vais essayer. La plupart des gens abandonnent ici, mais bon. Pouette, 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 pouette. Un jeu de mort où il faut aller attendre 24 heures pour que ton énergie se régénère et rejoue. Ah. Eh ben ça, je n'aurais jamais cru voir une de ces choses ici. Quoi? Quand c'est con d'avoir du coup pas l'homme après Rydia et après Yang, vu que enfin, la magie avec Rydia, on en a déjà fait. La jarre, on a déjà vu avant, du coup. La génération des PV et des MP. Enfin, des PM. C'est quoi? Nous autres mages, nous sommes des gens normaux sans nos PM. Je comprends, je ferai attention. Je préfère pas l'homme. Aïe! Aïe! Et le level up qui fait zizir. Herbe déco, épingle d'or. Hop. Embuscade. Ah, ils vont l'enculer? Non, c'est bon. Aïe aïe aïe. Ouf. Tout juste. On a failli frôler la catastrophe. Ok, yes. Bon, ouais. Putain, il les a pas one shot. Tu peux jouer aussi? Question, hein, toute simple. Mais what? Mage en mousse. C'est bien simple. Si là mon attaque. Ok. Là si elle tue pas tout le monde, je suis mort. La lune est croissante, ça veut dire magie noire faible, yes. Ah, fun fact, j'ai pas de colle à ressusciter. Dommage. Tu sais, je repars voir les prêtresses. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a atteint le haut. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai cassé Léonora. Et bon. Disons qu'elle tient plus debout, quoi. Ah. Putain, j'ai même pas de tente. Bah yes. Elle doit faire un test, mais elle est morte. Pa 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 pa.
Parapampam. Juste espérer d'avoir une queue de phénix là sur la droite dans les coffres. Bah yes, ils ont tous loupé. Mais ça c'est la lune ça. Cette connasse. Que de phénix, yes. Je peux ressusciter mon acolyte. Ah. Ennemi. Un gardien par niveau, comme c'est pratique. À ton tour. Moi? Oui, toi, ce n'est pas moi qui suis en formation, si. Techniquement, si, t'es en formation. T'es l'enseignant de la formation. Non, mais... Bonne chance. Bon, j'espère qu'on a bientôt fini la tour. Fort de simple et good raison. Que... Je fatigue et la VOD devrait se terminer. Soon. J'ai gagné des sorts de magie blanche. Enfin, un sort de magie blanche. Oula, le son tout pété. J'ai réussi, Sir Palom. Je veux dire Palom. C'était tout juste passable, au mieux. La magie noire est plus dure à apprendre que la magie blanche. C'est pas une question de difficulté, on est généralement doué pour l'une ou pour l'autre. Voilà pourquoi on appelle ceux qui parviennent à maîtriser les deux des sages. Attends une minute, ce n'est tout de même pas pour devenir sage que tu... Je... Non, bien sûr que non, pas même dans mes rêves les plus fous. C'est pas ce que je pensais, continuons. Pourtant, elle s'y connaît dans les deux magies. Mais lui, il est jaloux parce qu'il veut devenir sage. Ok, elle a des sorts de soins. Et un sort de téléportation pour quitter le donjon. Ça, c'est bien. Que dirais-tu d'apprendre le sort glace maintenant? Vous voulez dire la magie du gel? Si tu veux, mais ne pense pas au gel, pense au froid. Au froid? Il fait froid, 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 froid. Voilà, tu as saisi l'idée, mais tu m'effraies un peu, on va à vrai dire. Glace, glace. Ouais, du coup, si là c'est la glace et après c'est la foudre, on a le temps. Du coup, prochain point de sauvegarde, je sauvegarde et je me barre. Du coup, j'espère qu'il y en a un à cet étage-là. Sinon, j'aurais l'air con. Bam, bam, bam. On a le temps. Tiens, tu commences à comprendre. Oui, oui, je crois. Arrête de faire cette horrible tête. Y'a pas de doute. Du coup, je vais à l'étage précédent. En plus, sinon, en termes de VOD, ça sera beaucoup trop long pour YouTube. Alors que là, elle fait la bonne taille. Ah, mais elle est toujours morte. Ben non. Ah, mais non, c'était la sauvegarde où elle était morte. Je suis bête. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. On a fini l'histoire de Yang, on fait l'histoire... de
Palom, j'ai vérifié parce qu'à chaque fois je confonds avec Porom. La suite, normalement demain. Normalement, je stream demain, hein, donc a priori, pour l'instant, j'ai aucune contre-indication. Du coup, ouais, là, demain, tout simplement. Des bisous. Pouce bleu YouTube, hein, évidemment. Et chouchou.